Depuis son 28 août 2023, il se tient à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, une réunion consultative entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les organes de prise de décision des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. L'ambassadeur du Burundi en Éthiopie et en Union africaine, Oulinya Mitwe, dit qu'il est de routine que chaque année, de telles réunions se tiennent dans l'un ou l'autre pays de l'Afrique. Ces mécanismes délibérants ont dans leur spectre de tâches et de missions les questions de paix et de sécurité. Et comme le Conseil de paix et de sécurité est l'organe le plus compétent en matière de maintien, de résolution des conflits sur le continent, c'est tout à fait normal que régulièrement il y ait ces échanges avec ces organes délibérants des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux. Donc c'est la nature de ce travail, une sorte de partage de travail, une sorte de collaboration pour qu'il ne puisse pas y avoir doublon ou redondance, qu'on puisse avoir une feuille de route commune et qu'on sache qui fait quoi. Quel que soit l'organe qui s'occupe de la paix et de la sécurité au niveau du continent ou les organes qui s'occupent de la paix et de la sécurité au niveau régional. Voilà, donc c'est ce genre de travail que nous faisons et c'est devenu une habitude. Et l'année prochaine, il y aura une autre réunion, etc. Donc on doit avoir ces réunions d'une manière régulière. Ambassadeur Oulinya Mitwe a en outre indiqué que, durant ce mois d'août, c'est le Burundi qui est responsable de la paix et de la sécurité en Afrique, d'où il est contre l'intervention militaire prônée par la CEDEAO au Niger. Il faut savoir que durant le mois d'août, c'est le Burundi qui est le président du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Autrement dit, c'est le responsable de la paix et de la sécurité sur le continent au mois d'août. Alors, qu'est-ce que le Burundi est en train de faire? Le Burundi est en train de fournir des efforts pour que le continent chemine vers la stabilité, vers la paix, vers la sécurité. Vous savez que nous avons un agenda qui est phare, qui est faire taire les armes à l'horizon 2030. Donc le Burundi contribue énormément à faire taire les armes. Comment est-ce que le Burundi contribue à faire taire les armes? Vous avez suivi le cas du Niger, où il y a eu un coup d'État, un changement anticonstitutionnel de gouvernement, où le président Mohamed Bazoum a été déposé par un groupe de militaires. Et vous avez suivi le développement de cette affaire que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avait pris une batterie de mesures, parmi lesquelles des sanctions économiques, mais aussi une intervention militaire. Alors, le Burundi, en sa capacité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et surtout guidé par cette ambition de faire taire les armes sur le continent, a préféré faire la promotion des voies pacifiques, des voies négociées, pour que ce pays recouvre la paix, recouvre la voie de la démocratie, mais sans que les organes qui devraient faire la promotion de la paix vont aussi exacerber la situation. Parce qu'on sait quand la guerre commence, mais on ne sait jamais quand la guerre se termine. Et si notre stratégie est de faire taire les armes, ce n'est pas en allant provoquer d'autres bruits ou de bottes et d'autres bruits de canons qui peuvent faucher la vie de paisibles citoyens, encore que ces gens qui vont se battre, ces soldats, ils ont aussi des familles, ils sont africains, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des pères et des mères, ils ont des sœurs et des frères, ils ont des cousins et des cousines, ils ont des oncles et des tantes. Donc, on ne peut pas endeuiller le continent, alors que dans notre stratégie, c'est faire taire les armes et non pas provoquer d'autres deuils sur le continent. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais le Burundi est engagé sur cette voie, mais la voie de renforcement et de consolidation de la paix sur tout le continent. Cette réunion de consultation avait vu également la participation de la première dame du Burundi, Angenda Ishimiye,
qui elle aussi a souligné que la mission de paix des premières dames d'Afrique dont elle préside ne manquera pas à garder le contact permanent avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'ai écouté avec attention vos remarques et vos observations pertinentes et vous remercie pour les paroles encourageantes adressées à l'endroit de la mission de paix des premières dames d'Afrique que j'ai l'honneur de présider depuis le mois de mai de cette année. Nous sommes aussi disposés à collaborer pleinement avec vous dans d'autres domaines comme l'humanitaire pour atténuer les souffrances auxquelles les peuples d'Afrique sont confrontés. Par ailleurs, cette discussion informelle à marge de vos travaux ici à Bujumbura témoigne d'une manière éloquente que vous valorisez le rôle de la MIPREDA joue ou est appelé à jouer sur la scène de la paix et de la sécurité sur notre continent, en harmonie avec notre légitime ambition de faire taire les armes et notre feuille de route pour bâtir l'Afrique que nous voulons. Une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigé par ses propres fils et filles et représentant d'une force dynamique sur la scène mondiale, l'agenda 2063. Également, cette belle initiative témoigne d'une complémentarité et d'une bonne collaboration entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et la communauté économique régionale et mécanismes régionaux. Je salue le dévouement et le sacrifice dont vous faites preuve dans la prévention, la gestion, la résolution des conflits et surtout dans l'amélioration des conditions de vie des peuples d'Afrique. Je comprends parfaitement la lourdeur des responsabilités qui pèsent sur vos épaules. Il est de notre devoir collectif de renforcer la coopération et la collaboration pour relever les défis auxquels le continent est confronté, car les maux qui affectent l'Afrique, quel que soit le lieu ou la région touchée, nous affectent tous d'une manière ou d'une autre.